Hello les amis, comment allez-vous? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Marine Le Pen à Mayotte. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Pour les européennes, elle fait sa propagande, quoi. Elle s'est retrouvée à Mayotte. Des images qui m'ont bien fait sourire, entre guillemets. Faut que j'arrête avec ce entre guillemets, en fait. Des images qui m'ont bien fait sourire parce que là on la voit vraiment en tenue locale participant dans une grande communion avec le peuple maorais et leur chant traditionnel. Tout va bien, tout va pour le mieux. Et elle s'est même insurgée contre sur le parti d'extrême droite allemand, qui a fait un commentaire sur l'appartenance de Mayotte à la France. Donc, je voulais en parler vite fait, quoi, parce que je trouve ça drôle. Parce que c'est aussi les européennes, c'est la politique, c'est important. Et le MD Show est un média sur lequel on parle aussi de politique, de sport, de toute l'actualité. Et je vais faire une petite revue de 15 à 20 minutes dessus. Hein. C'est pas énorme, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer déjà des vidéos pour que vous compreniez. Donc là, je vais mettre une vidéo de Marine Le Pen à Mayotte pour que vous compreniez. Donc j'annonce là. Sur Instagram, il y a. Attendez. Sur Instagram, il y a Hakim qui dit il reconnaît des amis à lui sur la vidéo. Il reconnaît des amis. Il dit que Mayotte, c'est compliqué. Hakim, si tu as si tu as quelque chose. Un complément à nous indiquer, quand tu dis c'est compliqué, c'est comment c'est compliqué. Parce que c'est. Je sais que Mayotte, ça fait partie des Comores, entre autres, non? Ils ont fait un référendum. Ils ont eu trois référendums. C'est qu'il y avait trois référendums pour savoir si Mayotte voulait rester française, si je ne me trompe pas. Et le dernier référendum date de 2009. 2009, normalement. Et c'est là qu'ils ont décidé d'être un département, ou je ne sais plus trop quoi. Je sais que il y a c'est pas facile hein, en fait la politique. En fait, ce que je vous montrais à travers cette vidéo-là, c'est que là Marine Le Pen défend clairement les intérêts de la France hein. Oui.
écrit partout à la télé, les immigrés, les étrangers, parce que c'est très bien que pour elle, tout ce qui n'est pas blanc, en tout cas pour son parti, tout ce qui n'est pas blanc est étranger et c'est du racisme. Et Hakim nous dit un référendum un peu mancal, un contexte social, politique pas simple, et une immigration incroyable. Ouais, et bah, je sais que dans les îles, attends, c'est quelle île là? Je sais qu'ils sont en guerre pendant depuis un moment là. À cause de... Il y a beaucoup d'immigration dans les îles. Ah, j'ai oublié le nom des îles là, il faut que je les retrouve. Et ça crée beaucoup de conflits internes sur les îles. J'ai oublié le nom des îles, mais je sais que l'immigration est étrangement forte là-bas. Et ouais, carrément, des classes d'étrangers, 60% d'étrangers. Vraiment, c'est pas facile, hein. Et ouais. Donc là, on voit clairement qu'elle prépare les élections européennes et donc tout son parti qui prend pas le combat aussi, hein. Vous avez qu'à être sur Twitter à lui suivre, c'est incroyable. Et là, clairement, bah, bon, pour moi, j'espère que les gens qui sont là sont payés. Parce que si on me dit qu'ils font ça par envie ou par je ne sais quelle motivation idéologique, je n'y crois pas. Donc je pense que les gens qui sont dans la foule doivent être payés. Et j'ai aussi une autre photo. J'ai aussi d'autres photos, ne vous inquiétez pas, je vais les balancer. J'ai fait un petit plein de photos d'elle là. En tenue traditionnelle, parce qu'il faut bien le rappeler. En tenue traditionnelle. Elle n'est pas allée comme ça en jean à la française, comme elle dit. Non, les Français, c'est les jeans basket. Entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, jean basket. Et nous, on ne veut pas mettre les trucs, des gens qui puent là, les noirs là, ils puent là. Vous la voyez, non? Vous voyez ou vous voyez pas? Vous voulez que j'agrandisse? Là, vous la voyez en tenue traditionnelle. Qui aurait dit que c'est Marine Le Pen? Moi, en tout cas, pas moi. Moi, pas moi. Moi, je n'aurais pas pu dire que c'est Marine Le Pen. Donc, je la laisse bien pour que vous la, en évidence, pour que vous puissiez comprendre la politique. Et. Ah, carrément, elle démarre toujours pour Mayotte. Là-bas, elle est à la maison. Mais comment ça, elle est à la maison? Qu'est-ce qui se passe là-bas que nous, on n'est pas au courant? Que moi, je suis pas au courant parce que c'est un côté que je ne regarde pas, je vais pas te mentir. C'est des côtés que je ne connais pas. C'est compliqué, les îles. Moi, je sais que les îles, ils ont un comportement. En fait, pour eux, ils sont français depuis toujours. Donc, ce qui fait que leur mode de pensée n'est pas la même que nous, qui venons d'Afrique, ou descendants de l'immigration africaine. Sarko, c'est une légende là-bas. Si tu savais ce que ce tissu aiguë, pour Mayotte, c'est plus trop grave. Sarko, c'est une légende là-bas. Ah ouais, carrément. Ah ouais, bah les gars, moi je vais devenir une rockstar alors si c'est ça. Bon, non, moi je rigole, moi je sais que je peux pas faire de politique. Il y aura trop de conflits d'intérêts. Il y aura trop de conflits d'intérêts. J'ai des grandes ambitions. Faire de la politique, c'est lent. La politique, j'aime pas, pour commencer. C'est trop de compromis quand on fait de la politique. Ça avance pas vite. Moi, je sais que je suis quelqu'un, je suis un bulldozer. J'aime quand j'ai un point fixe. En fait, j'aime pas attendre l'ordre de quelqu'un pour aller quelque part. Parce que c'est pour ça que je suis pas de politique. Et là, nous pourrons le voir, hein, que je sais pas si on peut appeler ça se vendre. Ce qu'elle fait là, c'est se vendre, hein, pour moi. Regardez, hein. Il faudra remettre ces photos-là tous les ans pour ne pas qu'elle oublie. Et regardez toute sa délégation derrière. Et là, on voit bien. Elle est accompagnée, en tenue traditionnelle encore, marchant fièrement, posant pour la photo, décontractée. Bon, je pense qu'elle est l'environnement. Bon, si elle est comme à la maison.
Moi, je commande juste, les gars. Moi, je commande ce que je vois. Parce que je ne suis pas un expert en île. Mais en gros, son discours anti-islam là-bas, il est ambigu. Ouais, parce que. Mais, ouais, mais comment il peut être ambigu? Vu que son discours en France, il est clair. C'est que là-bas, ça ne peut pas être ambigu là-bas. Parce que. Je sais que Mayotte. Je sais qu'à Mayotte, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de musulmans. T'as dit carrément 90% de musulmans à Mayotte. Alors là, ça, je ne savais pas du tout. Donc, il y a les commentaires sur Instagram aussi. Hein. Ils s'affichent pas dans ici, mais ils sont sur Instagram. Et il y a aussi les commentaires sur Facebook, mais en fait, vous ne les voyez pas ici. Donc, c'est pour ça que je les lis à haute voix. Mais, je vais cacher ça. Je vais cacher la photo. Pas de... Alors, on va cacher la photo. Donc, je reviens sur vos écrans. Et là-bas, j'entends parler d'islam. C'est incroyable. La politique. Ouais, la politique. C'est se vendre. Se vendre. Pour gratter des voix. Gratter des voix. C'est un manque de dignité. Vaut mieux se battre dans l'entrepreneuriat. Moi, en tout cas, pour ma part, hein. Moi, je ne pourrais pas faire de politique. J'ai trop de contradictions. J'aurais trop de contradictions, ça va m'énerver. Et ce qui ferait, je ferais trop de mauvais choix. Alors, quand tu es un entrepreneur, tu n'as qu'une idée en tête et tu dois mettre des stratégies en place pour y arriver. Alors, quand tu es en politique, non. On le voit là. Hein. Avoir une loi en France, ça va créer, oh les Arabes, oh dégagez. Oui, je sais que c'est du marketing, mais c'est là qu'on voit que même le marketing, il est trop changeant. Il est changeant en fonction des tendances. Le politicien change en fonction des tendances. Le marketing, parce que le marketing, si on te vend en fonction de la croyance, de là où tu es, il faut de l'image pour que les gens là-bas se votent pour toi. C'est ça la politique. Hein. C'est convaincre l'Assemblée que ce que tu fais est correct. Et qu'ils doivent te suivre, que tu as le meilleur, que tu as le meilleur choix pour eux. Alors que l'entrepreneur, c'est j'ai une vision, je fonce. Je dois juste appliquer des stratégies pour y arriver. Celui qui me suit, celui qui me suit, celui qui ne m'aime pas, bah, je ne suis pas son problème. Alors que le politicien doit être aimé de plus grand nombre pour arriver à son but. Le politicien ne peut pas arriver juste avec, comme on dit, avec ma bite et mon couteau. Non, c'est faux. Et quand on voit tout ça, en tout cas moi quand je vois tout ça, je ne peux. Je sais même pas si je pourrais laisser à mes enfants. Je voulais qu'un de mes enfants fasse de la politique, mais là, je suis en train de réfléchir. Je vous cache pas là, ça me fait réfléchir. Parce que trop de compromis. C'est trop de compromis la politique. Attendez, on va mettre encore dans la photo. J'aurais dû télécharger plus de vidéos en fait. Regardez là. Les gens autour du... On voit que il y a une communion sur la photo. Je sais pas pour vous, mais moi je. Regardez la dame avec les lunettes. Les deux avec les lunettes derrière. Regardez comment elles sont contentes. Bon après, peut-être c'est une photo prise sur l'instant donc. On voit qu'elles chantent, elles sont bien faites. Faut bien être là, quoi. Mais vous voyez ou pas? Attendez, je vais essayer de trouver une photo de Marine Le Pen en mode normal. Je cherche sur mon téléphone. Il a dit, il faut faire, sinon c'est d'autres qui font. Oui, c'est vrai que c'est d'autres qui font. C'est vrai que c'est d'autres qui font. Mais. Moi, je ne peux pas faire. Moi, je peux payer des politiciens, je peux les mettre en place s'ils le veulent, je peux les aider avec des reportages, faire une petite propagande. Ça, c'est quelque chose que je peux faire à travers l'AMD Show. Je peux les inviter en débat, on les met en avant, on fait du. Je peux, j'ai une web TV, je peux faire du favoritisme si je veux. J'ai pas les mêmes problèmes que la télé. J'ai une web TV, je peux faire ce que je veux, mais qui joue en avant? Mais. Ce truc de
avoir un discours toujours poli, c'est faire attention à ce que l'on dit, l'image du politicien. Moi, je suis trop un loubard, comme on dit. Je suis trop un. Je suis trop moi, je suis trop vrai, je suis trop brut de gaufrage pour faire de la politique. C'est ça, en fait. Attendez, je vais chercher Marine Le Pen, islam. On va voir ce qu'elle dit. Alors. Ah, le plus récent, le plus récent. Alors, le plus récent. Attendez. Alors, pour Marine Le Pen, l'interdiction du voile est essentielle. Ça, c'est en 2022. Ok. Une grande ambiguïté entre Marine Le Pen et l'islam, de ce que l'on dit. Je ne mène pas de guerre contre l'islam, assure Marine Le Pen. C'est en 2022. Macron Le Pen. Alors. Elle est trop changeante. Elle est trop changeante. Moi, pour moi, c'est du changeant. Mais là, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que je voulais vous montrer. C'était pas vraiment pour le débat de Mayotte, en fait. Je m'en foutais. Je m'en fous. C'est la politique. Elle va gagner. Déjà, ses abonnés, elle va gagner. C'est fidèles là-bas qui vont voter pour elle. Mais c'est l'importance de la politique. Vous voyez ou pas? Que la politique, c'est comme il a dit, c'est du marketing. C'est plaire, essayer de plaire à un grand nombre pour qu'ils adhèrent à nos idées. C'est ça, en fait, le fond de ce live-là, à travers Marine Le Pen. Je ne suis pas pour la dénigrer, mais c'est pour vous montrer que en France, ils ont un discours, le Rassemblement National a un discours, sauf si on dit qu'elle fait partie du Rassemblement National. Et en plus, on voit bien que ce sont. Que elle s'est adoucie, entre guillemets. Sa ligne de racisme s'est adoucie, c'est la réalité. Donc là, on peut voir que pour les voix, donc pour une idéologie, si vous préférez, parce que la politique, c'est une idéologie en fait. Pour une idéologie, pour les convictions, pour ce que vous voulez, il faut, faut être prêt à mouiller le maillot. À mouiller le maillot, si vous préférez. Voilà, c'est comme ça qu'on va appeler ça, mouiller le maillot. Et c'est un message fort, hein. C'est un message fort. C'est pour ça que je suis un peu silencieux, parce que je réfléchis. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi pour ne pas induire en erreur ceux qui vont regarder le live. Parce que là, ce sont les européennes. Et bien sûr qu'il faut aller voter, bien sûr qu'il faut. N'oubliez pas d'aller voter aux européennes, c'est très très important. Parce que vous êtes européen, que vous vouliez ou non. Et ça, je vais souvent le répéter, ça. Vous êtes européen. On est français, on est français. Vous êtes aussi européen avant tout. Donc, allez voter aux européennes, c'est très très important, les amis. Donc, voilà. Donc, on va s'arrêter là un peu sur le live. Ça fait 20 minutes. Demain, encore un autre live. Je ne sais pas c'est quoi le thème de demain. Si. Demain, le thème, ça va être les hommes de 2024. Ouais, demain, ça va être ça, le thème, les hommes de 2024. Ouais, parce que les hommes échangent. Ils ont sûrement trop changé. Et c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Donc, les hommes de 2024, ça va être le thème de demain. Mais voilà, n'oubliez pas d'aller voter aux européennes 2024. N'oubliez pas que la politique, comme il a dit, c'est du marketing. Si vous ne le faites pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à aller. Votez pour la personne qui a vos idées, ou au pire, devenez vous-même politicien. Si vous avez le cœur à l'ouvrage, bien sûr, parce que c'est assez pour un jour. Hein. Ça prend des dizaines, vingtaines d'années. C'est un travail de longue haleine. Donc, voilà. C'était un petit message de paix et d'amour. Hein. Rien contre Marine Le Pen. Hein. Parce qu'elle fait son boulot. Donc, ouais, je vous remercie pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, pour ceux qui ont suivi. Et voilà, retrouvez le replay sur YouTube.